Bonsoir. C'est parti pour le chaos. Alors, ça sert à rien d'aller à gauche, à part trouver un peu d'or éventuellement. Sur un premier run, j'avais trouvé de l'or à gauche. Pénétrons ce donjon absolument chaotique. Ah oui, alors eux, ils se dupliquent. Je sais pas s'il y a moyen de farmer de l'or. Avec ces petits... What? Un charme. Ah oui, des phéromones. Alors, le fait que je sois charmé, qu'est-ce que ça fait? Parce que, ok, eux, ils ont l'air d'être charmés. Est-ce qu'ils vont... Vous m'attaquez? Vous allez vous entretuer? Qu'est-ce qui se passe? Si j'attaque lui, tu l'attaques? Ok. Ah oui, il s'entretue. Yes. Bon, du coup, le fait que je sois charmé, ça change rien. Flacon de whisky. Whisky. Une forte odeur d'alcool se dégage de vos vêtements, gênez la visée. L'alcool est inflammable. Ah, c'est un malus. J'ai l'impression d'être plus lent. Ce n'est peut-être qu'une impression. Ah oui. Je suis moins précis. Ça va, je me la suis pas prise. Putain. Voilà. Mourez, monsieur. Qu'est-ce que c'est ? Flèche invoquée. Il faut voir les dégâts que ça fait. Polymorphie chaotique. Ouf! Je l'ai trucidé. Ça a l'air de faire mal. Hein. Ah. Oh, on en prend eux! C'est un sac à points de vie, il fait très mal. Oh non, je brûle. De l'eau! Ah, de l'eau! Est-ce que je peux éteindre les flammes dans la potion de charme? Ah oui. Non mais il... Monsieur, faut arrêter de monsieur. Hein. Ok, coup critique. Un début de run chaotique.
pour changer. Mais j'ai un sort sympa. Ce sort de flèche a l'air de faire assez mal. Putain de merde. Ah le feu, non. Eh ben. Faut que je trouve le... Faut que je trouve le sanctuaire là. J'ai plus que 26 points de vie. Les mines effondrées. Tiens donc, c'est la première fois que j'arrive à trouver cette zone. Parce que de base, c'est pas effondré. C'est juste le chaos. Ah. On peut pas passer, il y a du charbon. Et il y a des ennemis en haut. Oh oui, la montagne. Le sanctuaire. Font 10 de dégâts. Les grenouilles du démon. On va peut-être aller à la montagne finalement. Hein. Je farmerais bien un peu d'or, mais putain, mais non, mais c'est trop dangereux. On peut pas rester ici. Faut que je me casse. Putain, mais y a des ennemis partout. Bon, bah écoutez, hein. Au grand mot, les grands remèdes. Allez, ciao. Pfiou, quelle ramdame. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Téléportation, trait tombeur, orbe énergétique minuté, mer de lave, ça donne envie, triple sort. Je connais pas, je connais pas tout ça. Ça, ça a l'air d'être du dégât. Orbe énergétique minuté, ça peut être utile. La mer de lave, ça a l'air beaucoup trop dangereux. La téléportation peut être bien. Je peux acheter les trois, je pense. Ouais. Ok. Bouclier, champ de gel, pluie de sang. Pourquoi ça tremble comme ça? On va prendre le bouclier. Téléportation. Bogut. Ok, donc l'ordre n'est pas aléatoire. Très tombeur. Lance trois sorts simultanément. Si j'ai qu'un seul sort, on est d'accord que... C'est pas plus rapide d'ailleurs. Non, c'est pas plus rapide. Bah on a... Je pense qu'il va pas être très utile pour le moment. Orbe énergétique, qu'est-ce que je peux foutre avec ça? Les traits d'étincelles sont plus vraiment utiles. Pour le moment. Ouais. 11 de dégâts, 18 d'explosion. Ah ça, ça fait mal. Je sais pas. On verra, il me faudrait une baguette en plus. Je découvre le jeu, c'est ma... C'est ma troisième ou quatrième run. Mais la run d'avant, j'ai vraiment réussi à faire un truc pas mal. J'avais trouvé une baguette d'acide aux petits oignons. Qu'est-ce que c'est que ça? Très enflammé. Bon, ça a l'air d'être d'une violence. Avec 350 de mana. Ah mais c'est limité. Ça a l'air puissant.
faut 3 flèches pour les buter. Non, non. Oh mon dieu. C'est le chaos. Ok, plan B. La fuite. J'aimerais bien. Ouf, ça fait mal ça. Oh, ça fait mal. Oh, le bouclier. Ok, on va pas dépenser tous nos sortilèges pour le moment. Oh, c'est déjà le chaos, mon dieu. Ami, il... Il invoque des petits. Laissez-moi... Oh. Au secours. Putain. Oui, j'ai eu le gros. Yes. Il reste encore des petits. Oh, le stress, la pression. La pression. Petite odeur de coton, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe, putain? Elle speak up? Quoi? Tiens donc. Ah, c'est peut-être en tuant en gros. Et de la vie max. Par contre, c'est qui ce mec? Mais... Il a ramassé la baguette, c'est pour ça qu'il fait des trucs bizarres. Lol. L'ennemi a ramassé la baguette. Baguette. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui s'est passé en bas. Et cette... Voilà. Cette baguette est très puissante. Par contre, ça a l'air de faire des trucs bizarres, ça, là. Je sais pas trop ce que c'est. On va attendre que ça se dissipe. C'est quoi, ça? Brouillard de sang. Eh bien... non, merci. Je sais pas ce que ça fait. Si ça se trouve, ça, hein, ça doit imbiber mes vêtements de sang. Ce qui me rend résistant aux flammes et augmente mes chances de coup critique. Donc en vrai, ça peut être pas mal. Mais à la place de quoi? Parce que les bombes, c'est très utile. J'ai jamais testé ça, ça fait quoi? Ok, d'accord. Ouais. Non, pour l'instant, on va rester sur ce build. Qu'avons-nous là? Une baguette? Baguette. C'est une embuscade! Vous savez ce que je vous dis, moi? Boum. Oula. Alors, elle fait quoi, elle? Putain. Qu'est-ce que c'est? Bulle étincelle. Un sort à rebond, mais peu précis. 5 de dégâts. Ça a l'air marrant. Mais je me sépare de quoi? Suis-je disposé à me séparer de quelque chose? À la place de celle-là, juste pour voir ce que ça fait. Ah, c'est pas limité. Flou, flou. Ça a pas les roufs. Suicide man.
Ouais, ça va pas les ouf. Je vais récupérer ma baguette explosive. Ok. Ok, ok. Pour l'instant, on s'en sort bien. Pour l'instant. Comme dans la plupart des roguelikes. Oh non. Vite. De l'eau. De l'eau. Je disais, comme dans la plupart des roguelikes, la situation peut dégénérer très vite, très fort. Oh, la montagne. Oui. C'est la première fois que je vais aussi loin. Y'a rien. Bon bah vu que mes sorts vont se régénérer, autant récupérer de l'or. Ling 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 ling. Tiens, ça a ouvert un passage qui ne mène nulle part. Yes. J'ai encore 56 points de vie, hein. Je pourrais aller explorer un petit peu. On va avoir besoin de cet or. Et je vois qu'il y a des... Ah, on n'est pas allé voir là-bas. Enfin, je crois pas. J'ai une mémoire de poisson bleu. Oh non. Bon alors, eux, on peut les tuer en un coup. Voilà. Oh, elle est trop bien, cette baguette. Par contre, ça brûle, là. Ah mais oui, d'accord. Donc c'est le bordel, oui. Comme prévu. On va attendre que ça finisse de brûler. Oh non! J'ai marché dans la vase. Ça brûle. Il y a une ruche. Oh non. Oh non, et ça brûle. Oh non. Oh non. Je ne suis pas prêt. C'est dangereux, c'est très dangereux. On va essayer d'aller ailleurs. Hein. Un endroit un peu moins risky. Ouh! Il s'est pris un carreau dans la gorge, lui. Il a pas apprécié. C'est pas mal, c'est assez précis les carreaux d'arbalète. Récupère cet or, l'or, l'or. Là on a des explosifs, attention. Là on a de la poudre à canon. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, alors là c'était là où était mort le... Là où j'avais récupéré la... Non, pas du tout. C'était pas du tout là. Je sais plus. Je suis déjà passé par ici, bah oui. Ah non, c'était là. Oui, c'était là. Il y a un gros tas de... gros tas d'entrailles. De viande de monstre. Là aussi, il y a des gens. Oula, ça ne m'inspire guère confiance, cet endroit. Il y a de l'eau, et c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on pourrait détruire ici, là. Essayons. Ah non. Yes. Bah allez, hein. Oh, y'a, quelle puissance. J'ai été arnaqué par le jeu. Tout ce délicieux or a disparu sous mes yeux. Bon bah allez, on se casse. Bon, c'était pas mal. C'est la première fois que j'arrive à ce stade. C'est la première fois que j'arrive au deuxième sanctuaire. Alors, des baguettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Dommage, je peux pas voir ce que c'est. Oh
Oh là là, ça a l'air compliqué tout ça. Alors ça c'est une baguette de téléportation du coup, ça peut être pas mal. Mais j'ai déjà un effet de téléportation, donc en fait on s'en fout. Ça, ça a l'air d'être un geyser de feu. Ça, je sais pas ce que c'est. Délai de sort 0,05. Délai de sort 0,22. Huh. Non. Et temps de recharge 3,3. Ah, alors ça c'est un peu plus problématique en fait. 0,5, 0,22, 0,17, 57, 0,2, 0,5. Ouais, non. Non, en fait, elle est pas mal, comme ça. Alors ça, j'utilise pas du tout, en fait. Je ne le... Oh ! Eh mais attends, ça sur ça. Est-ce que c'est pas trop bien ? Ça a l'air trop bien. Parce que si je l'enlève... Ça ne change strictement rien. Ouais, donc on s'en fout en fait. Orbe d'énergie minutée. Ah, je sais pas. Hein. Je m'en sors bien avec mon build actuel. Est-ce que j'ai forcément besoin d'acheter de nouvelles choses? Ou alors à la place de... Je sais pas. Non, parce que ça, c'est détruit. Est-on d'accord sur cet état de fait? Ça ne détruit pas du tout. À part si c'est un environnement indestructible. Je sais pas si ça détruit. Ça détruit ou pas? Détruit le sol. Rayon d'explosion 60. Rayon d'explosion 16. Il y en a beaucoup plus. Dégâts d'explosion 390. 500. Mais il y en a beaucoup plus. Oh! Je ne sais pas, hein. Je ne pense pas. Hein. Bon. Sinon, j'ai quoi? Il y a la baguette de téléportation. Hein. 0,1757. J'ai déjà une téléportation. J'ai bien envie d'essayer celle-là. 52,22. Après, délai de sort. Sur un gros truc comme ça, je sais pas. Allez. Attends. Prends ça. J'achète ça. Très enflammé. Très enflammé à déclenchement. Ah, c'est la même chose. Traînée brûlante. Ah, et celle-là, elle est infinie. Voyons. Ah, c'est juste un truc qui suit le projectile. Ah. Si je prends ça. Je sais pas ce que je fais. Pardonnez-moi. Aucune idée de ce que je suis en train de faire. Ah, ça a l'air pas mal en fait ça. Bon, vous savez quoi, on verra bien. Qu'avons-nous là? Modifier les baguettes partout. Oh, c'est sympa ça. Vampirisme. Vampirisme, PV supplémentaire. Or, je suis obligé de prendre vampirisme. Vous regagnez de la santé en buvant du sang, mais vous perdez un tiers de votre santé maximum. Ah, bah, heureusement que j'avais trouvé des PV max. Ok, on retourne dans le... Ah, profondeurs enneigées. On retourne dans le donjon du chaos.
Il y a des rats. Oula! Oula! Ça a l'air dangereux. Heureusement que j'ai un champ de force. Attendez, l'or! Qui êtes-vous? Oh mon dieu, non! Non! Bob! Bob le bonhomme de neige! Ça va, ils ont pas trop de points de vie. Est-ce que je ferais... Ah mais non, je peux plus modifier. C'est vrai que modifier partout, ça peut être intéressant. Mais il est tanky, lui. Alors, vampirisme. Ouf, one shot. Ouf. Risqué, mais bon. Du coup, j'aimerais boire le sang. Boire le sang de mes ennemis. Whisky, polymorphine chaotique. C'est vrai que j'utilise pas les potions. Hein. Mais bon, en même temps, comment puis-je les utiliser efficacement? Qu'est-ce que c'est que ça? Pépite d'or? C'est quoi ça? Un moyen de régénérer des points de vie pendant les runs, quand on est dans le donjon, et ça c'est beau. Ça c'est bien, j'aime. Salut Bob. Tous les bonhommes de neige s'appellent Bob. Qui êtes-vous? Une tourelle automatique. Vous allez gentiment décéder. Oh, il lâche tellement de thunes. Vite, dépêchez-vous, la thune va disparaître. Putain, mais ils sont trop nombreux. Je peux pas aller chercher l'argent. L'argent va disparaître. C'est honteux. Pensez à l'argent. Le bouclier, c'est trop bien. Ah, vite. Au moins je puisse récupérer une pièce d'or. C'est quoi ça? De l'eau? Ok. Ça tremble toujours autant. C'est toujours autant le bordel. Qu'est-ce que c'est ça? De la vapeur? C'est de la vapeur... Qui êtes-vous? Oula, mais oh! Oh! Calmez-vous! Je suis gelé! Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais vous êtes combien? Ce sortilège est d'une puissance! Y a pas assez de sang à boire ici. Non, l'or, non, l'argent. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Bifurqué, lance
luisante, 35 de dégâts. Oh, traînée brûlante, réduit les temps de recharge. Grand trait enflammé. Aléatoire. Ouais. Ah bon? Ah bon? Ok. J'utilise pas tant que ça les bombes. Hein. Je pense que je vais lâcher les bombes. Mais j'utilise pas trop ça non plus. Ouais, c'est pas très exploitable en fait. Finalement, je vais lâcher les boules d'énergie de ces morts. Putain. Yeah. Donnez-moi du sang. Je vais pas récupérer de points de vie. Y'a pas du sang là? Ah! Au secours! C'est quoi ça? De la viande! La viande on peut manger! Eh ben, on peut manger la viande, mais ça fait pas récupérer de points de vie. C'est peut-être à cause de mon vampirisme. Si ça se trouve, comme dans la plupart des autres jeux, le vampire peut récupérer de la vie en buvant du sang. Mais, pas en mangeant de la viande, etc. Je peux pas boire le sang, non. Boire le sang... Ça c'est... Oh putain. Fire in the hole! Ouais, moi aussi je peux vous tirer dessus, hein. Ouais, moi aussi je sais faire, hein. Oh, c'est une tourelle. Ouh, joli rebond. Vite! Non! Ah non, de l'eau! Il me faut de l'eau! Eh ben, de l'eau! De l'eau! Ah! Par les dieux! Ah non, c'est de l'huile! Je me suis éteint du feu dans de l'huile, ma foi. C'est une technique comme une autre. Aïe aïe aïe, j'ai plus que 44 points de vie. Et les ennemis ne sont pas décidés à saigner leur mort. C'est quoi ça? Au revoir! Je sais pas c'était quoi ce truc, mais j'ai pas envie de savoir. Mon dieu. Mais! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis censé être dans un endroit sûr. Vous savez? Qu'es-tu? Alors on est sûr nulle part. On est nulle part en sécurité, c'est quoi ça? Dégâts sup. Torche. Charge électrique. Boule de gelée. Acide. J'ai pas assez d'argent. Dégâts sup. Mais qu'êtes-vous? Pourquoi vous me laissez pas tranquille? Ah oui, c'est vrai que j'ai ce truc là. Ce truc qui fait n'importe quoi. Ouh! Eh, faut vous calmer, monsieur. Eh, vous avez un champ de force? Comment? Ok. Comment suis-je censé? Je vais mourir.
Vite, fuyez, fuyez! Ah, fuyez dans les souterrains. Qu'êtes-vous? Les souterrains creusés par ce verre. Putain, mais c'est quoi ce truc? Au secours. J'ai plus envie en fait. Ok, d'accord. Je m'en vais. La base easy. Easy. De l'eau, du sang. Ça me fait pas récupérer grand chose. Hein. On va être d'accord pour dire que c'est pas exceptionnel. Oh mon dieu, mais quel chaos! Quel chaos! Quoi? Mais laissez-moi passer! S'il vous plaît! Ah, j'ai touché quelqu'un dans le noir! Oh oh! Ok. Je peux pas passer. Du verbe passer. Non. Et là. Je peux toujours pas passer. Yes. What? Et là. Ah oui. Oula oula. Oula 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 oula. Calmez monsieur. C'est de la potion de berserk qui a été disséminée ici. Disséminée ici. Ok. Il y a un fucking sniper. Une malédiction de berserker. Ok. Boire le sang. Le sang c'est bon. Buvez du sang, c'est bon pour la santé. Quel chaos, il est encore là le méchant. Il est parti. Parce que j'aimerais bien avoir mon bonus aussi. Oh non, il est toujours là. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? C'est vous le maître du donjon. Vous êtes entouré d'un champ de force indestructible. Il va pas me suivre quand même. Il va pas me suivre dans les souterrains. Laissez-moi passer. Le feu peut-être. Non. Oula, c'est dangereux. Ah si, ça fait fondre. Ah. Ok. Ok, je gâche un peu mes sorts, mais c'est pour passer. Pour rien. Vu que nous sommes bloqués par une porte en acier. Yes. Ça valait le coup. Caramdam. Ah! Eh ben c'est rassurant. Ça aussi c'est rassurant. Tout est rassurant ici. Ce donjon est très rassurant. Ah c'est juste de la... Ah d'accord, c'est pas explosif. C'est juste inflammable. Ah si c'est explosif. Je me suis pris une balle de sniper sortie du... de nulle part. Oh mon dieu, c'est un chaos. Qu'est-ce que je fous là? Les hizzy. Les hizzy sont partout. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que... Issou. Laissez-moi rentrer chez moi. Oh mais il est toujours là lui. Bon, on va essayer d'aller choper le bonus, mais en passant ailleurs. En espérant que je ne fasse pas... Ah mais... Alors donc, c'était lui le sniper.
Sniper Wolf. Au secours, au secours, au secours. Des ennemis partout, partout, partout. Putain. Oh mon dieu. Je regardais pas les... Ah mais il se tire dessus ? Ah mais non, il est en berserk lui, c'est vrai. Du coup il tire sur tout le monde. N'empêche, 517 mètres, c'est mon record. Yes. C'est ma meilleure run pour le moment. Et c'est pour toi, YouTube.